connaissance de Megal Disco Mobile Animation commence par le démontage du matériel, puis le nettoyage de tous les éléments, la vérification de toutes les soudures, pièce par pièce. Et puis le remontage. Les tests de qualité du son, de l'éclairage. Bref, tout est prêt. Maintenant, de bon matin, charger le matériel dans le véhicule, se rendre sur le lieu de la prestation, décharger le véhicule, monter la régie son, mettre en place la sonorisation, l'éclairage, la déco, les instruments de musique avec les micros pour les animations de début de soirée et bien sûr, sécuriser l'espace du lieu de la soirée. Enfin, quand tout est prêt, lancer la musique d'ambiance dès l'arrivée des convives. Sonoriser ni trop fort ni trop faiblement le temps de l'apéritif. Il faut que tout le monde puisse parler tranquillement sans être gêné. Bref, tout est prêt. Eh bien, puisque tout est prêt, la soirée peut commencer. Lançons les festivités. Amitié, amour, la joie, on a fêté nos retrouvailles. Ça fait la peine des mots que je m'en. Une animation, chant et guitare. Sonoriser et animer une animation danse. Plébisciter, faire applaudir les artistes. Et préparer la soirée dansante par une dernière animation. Et c'est parti pour la fête, tout le monde en piste. Et voilà, la soirée est lancée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à gérer. J'attends mieux. Ah ben voilà. Bon, ben on va voir ceux qui vont au Club Med en vacances. On anime au micro. Vous vous rappelez des gestes au moins?
Ah ben on les voit, les anciens Géo. Les anciens GM aussi. Vous êtes fous. Assurez les enchaînements. Que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Et gérer les ambiances diverses et variées. Passer du rire au délire. Et si vous avez peur ? Donc, appelez donc, Ghostbusters. Avoir tous les styles de danse pour satisfaire toutes les générations. Vous avez peur ? Moi je sais pas, mais peu cher, je veux vous dire, je suis comme lui, je crame des gueules. Je me tiens fada, je crame des gueules, je me prête tous, ils sont même pas. Au début des années 80. Ouais, c'est bien beau, mais maintenant faut tomber la chemise encore. Peu cher, t'es allé. Et ne pas avoir peur de tomber la chemise, de la mouiller et de participer. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le Enfin voilà, lorsque les danseurs iront se reposer, démonter le matériel, le charger dans le véhicule, ranger le matériel au local et se coucher avant que ne retentissent les premiers chants d'oiseaux au petit matin, histoire d'avoir le sentiment de s'endormir avant la nuit. Ça ne rajeunit pas, mais c'est si bon. Pour vos fêtes et vos soirées, vous souhaitez vous reposer sur les compétences d'un animateur professionnel. Parlons-en, je suis à votre écoute.